Bonsoir frères et sœurs, bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h35, pratiquement heure locale. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Merci pour votre présence. Nous bénissons notre Dieu pour la santé qu'il nous donne. Nous le bénissons pour cette opportunité qu'il nous a donnée encore ce soir de nous retrouver autour de cette table afin de partager avec vous, ensemble avec vous, la parole qui purifie, qui nettoie, qui libère. Adonai, notre Père, nous bénissons ton nom, Papa, merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Merci pour ton nom, Seigneur, qui est invoqué sur nous. Merci, Père, notre Roi, pour toutes les belles choses que tu nous permets de vivre, d'expérimenter. Nous voulons t'honorer, nous voulons te dire merci pour tout. Au nom de Yeshua, notre Maître, notre Dieu, nous te prions, Père. Amen. Mes frères, bonsoir. Bonsoir. Que Dieu soit béni. En tout cas, nous tenons à rendre des actions de grâce au Seigneur notre Dieu pour la mission de Bruxelles. Hier, on a fait une mission à Bruxelles et nous avons été vraiment encouragés. En tout cas, je ne vous cache pas, mes frères et sœurs, j'étais personnellement encouragé. Pourquoi? Premièrement, parce que le Seigneur était là. Et ensuite, il y avait des frères et sœurs qui sont venus de pas mal d'endroits, de pas mal de villes, assoiffés. Et ce qui m'a particulièrement touché, c'est de voir cette mobilisation des frères et sœurs de Bruxelles, et notamment cette mise en place. Hein, donc, ils ont mis en place une épicerie solidaire qui nourrit aujourd'hui beaucoup de personnes, qui nourrit des personnes issues de plusieurs nations. Il n'y a pas que des Noirs, il y a des Européens, des Blancs, des Maghrébins, de tout, des Métis, tout ça. En tout cas, des Indiens, des Asiatiques. Et c'est beau de voir cette œuvre. Et on me disait hier, justement, un frère me disait que c'est tous les jours qu'ils vont chercher ces denrées alimentaires dans au moins 4 grandes surfaces. Et c'est beau. Donc je tenais particulièrement ce soir à dire merci au Seigneur et à vous dire aussi à vous tous qui êtes mobilisés pour cette belle action, belle œuvre, merci. Merci parce que pendant des années, l'œuvre de Bruxelles a tourné en rond. Des frères et sœurs, des saints qui ont reçu le message du retour à la parole, l'évangile tout simplement, et tourné en rond parce qu'il y avait bien sûr des personnes qui étaient mal intentionnées, qui avaient des projets, des visions. Non autre que celle de servir Dieu et aussi les hommes simplement. Et le Seigneur a fait son travail et son œuvre. Et là, on voit qu'il y a vraiment une équipe dynamique, des frères et sœurs qui ne sont pas forcément attachés au titre, qui ne cherchent pas forcément à savoir dans quel ministère, service Dieu les a appelés, mais qui servent le Seigneur simplement comme la parole le dit, c'est-à-dire venir en aide aux nécessiteux, leur apporter l'évangile de Christ simplement et surtout aller dehors pour manifester, n'est-ce pas, l'amour du Seigneur auprès des personnes opprimées. Et c'est ce que nous avons constaté sur place. Donc je tenais vraiment ce soir à dire à tous les frères et sœurs de Bruxelles de continuer dans ce sens et d'annoncer le royaume du Seigneur, de ne pas prêcher une église locale, mais d'annoncer l'évangile du royaume, le retour du Machia. Et que Dieu soit béni en tout cas. Je ne sais pas si l'équipe technique était avertie pour préparer un élément. Et, qui est déjà en ligne, hein. Donc si on peut diffuser cette vidéo ou cette courte vidéo, voilà, de l'épicerie. Donc merci Eric. Et comme ça, ceux qui ne l'ont pas encore vu, ben, vont pouvoir voir cet extrait. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là présentes. Et il y avait des gens dans le couloir, dans les escaliers, sur les marches, partout. Et nous sommes tellement encouragés par ce travail que désormais à Bruxelles, à partir de 2016, il y aura, jusqu'à ce que le Seigneur nous arrête, hein, donc au moins un samedi sur deux, et un programme de réveil. C'est l'épicerie solidaire. Il y a personne qui va vous expliquer clairement ce qu'on fait comme travail en tout cas. Alors qu'est-ce qui se passe ici? En fait, on a créé une petite épicerie solidaire. Donc le magasin de l'Aise, on a 3 de l'Aise. On fournit gratuitement tous les jours la nourriture, du lundi au samedi. Donc là, on partage, il y a de tout. Il y a du pain, il y a de la viande, du poisson. Donc voilà quoi, ce que le Seigneur fait ici. Donc c'est l'épicerie solidaire. Oui.
De Bruxelles. De Bruxelles. Alléluia. Qui a été mis en place il y a au moins il y a 3 semaines de là. Il y a 3 semaines que cette épicerie a été mise en place. Donc les frères et sœurs peuvent venir se servir gratuitement. Voilà, la toute nouvelle épicerie. Il y a encore qui arrive. Encore de Bruxelles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Trésor, qu'est-ce que se passe ici là avec tout ça là? Bon, là on vous présente l'Asbel de Belgique, donc Maranatha apparemment. C'est l'épicerie Maranatha. L'épicerie Maranatha pour nourrir tous ceux qui en ont besoin. Les chrétiens qui ont des difficultés, en même temps aussi les inconvertis. Les païens, ouais. Les païens pour les aider aussi. Donc ça a démarré sur les chapeaux de roue. Hein. Donc vous pouvez voir. Waouh. Voilà. Bah, ils sont bien organisés. C'est ça. Il y a des frigos juste à côté là-bas. Gloire à Dieu. L'épicerie solidaire de Bruxelles. Oui, tout à fait, ouais. Ah les amis, ça travaille, hein. Gloire à Dieu. Là c'est le premier. Merci Dieu, merci Seigneur. Donc vous avez carrément toute une, n'est-ce pas, panoplie de frigos, de congélateurs, voilà. Toute une organisation. On a eu des dons de frigo aussi. Des dons de frigo, parfait, ouais. Merci Seigneur. Congélateur, frigo, toujours. Voilà. Pour aider les gens qui sont dans les besoins. Merci Seigneur pour l'œuvre de Bruxelles. Qui a connu beaucoup de combats et aujourd'hui Dieu travaille, c'est tout son œuvre. Voilà mes amis, voilà cette belle initiative hein, des frères et sœurs de Bruxelles qui ont saisi cette parole du Seigneur qui dit que qu'il faut bien sûr, l'amour consiste bien sûr à aider son prochain. Et cette parole justement de Jean, Jean l'apôtre du Seigneur, et dans 1 Jean chapitre 3, le verset 17. Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans la nécessité, il lui ferme ses entrailles comme la charité, comment la charité de Dieu demeure-t-elle en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais par des œuvres et en vérité. Car c'est par là que nous connaissons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons ainsi nos cœurs devant lui. Voilà, donc Jean était clair ici. Donc, l'amour consiste à soutenir les autres, à aider son prochain. Et notre prochain n'est pas forcément, bien sûr, c'est d'abord nos frères et sœurs en Christ, mais ce n'est pas seulement les frères et sœurs en Christ, les chrétiens, c'est aussi des inconvertis. Même ceux qui sont les plus méchants, ce sont aussi nos prochains, et, des gens qu'on peut côtoyer au travail, à l'école, des gens que l'on croise dans la rue, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de demeure, qui n'ont pas de vêtements, tout ça. Donc l'évangile, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement enseigner, c'est aussi pratiquer l'amour, pratiquer la charité. Et c'est ce que nous essayons de partager, comme vous venez de le constater, ici et là, en allant voir des pauvres, des malades. Et si nous faisons ces vidéos, ce n'est pas pour nous montrer, c'est pour que vous compreniez, pour que vous voyez le travail que le Seigneur fait. Quand le Seigneur a nourri les 3000 et les 4000 personnes et les 5000 autres personnes par la suite, si cela, si ces deux épisodes ont été écrits, hein, ce n'est pas pour que le Seigneur, c'est pas parce que le Seigneur voulait se glorifier charnellement, c'était pour nous montrer un exemple, un modèle à suivre, tout simplement. Et c'est pour cela que vous voyez de plus en plus dans les nations, des frères et sœurs qui sont touchés par la parole du Seigneur, ben, au sein de leurs assemblées, au sein de leurs maisons, dans leurs maisons, ben, ils mettent en place des épiceries solidaires pour venir en aide aux gens qui sont dans les besoins. Il y a des gens, on leur prêche l'évangile, mais ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, ils n'ont rien à manger chez eux, ils n'ont pas de vêtements.
Comment voulez-vous que ces gens, mes amis, suivent le Seigneur, réalisent à quel point Dieu les aime, s'ils ne voient pas ceux qui prêchent cet amour le manifester par des actes? Voilà, donc c'est pour cela, grâce à vos prières, grâce à vos soutiens, ben, le travail se fait ici et là. Et surtout en cette période difficile où il y a des tensions dans les nations, en ces temps difficiles où il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent sans emploi, l'Église justement doit jouer son rôle, celui d'assister son prochain. Et donc Jean était clair et c'est comme ça que notre Père a procédé. Jésus-Christ, notre Seigneur, quand il a vu des gens dans les besoins, et bien, il les a nourris. Il les a nourris. On ne peut pas prétendre avoir l'esprit de Jésus-Christ. Cet esprit, bien sûr, le Saint-Esprit qui poussait le Seigneur Jésus-Christ, homme, à prier pour les malades, à guérir les gens, à chasser les démons et aussi à les nourrir, à multiplier du pain, du poisson. On ne peut pas, n'est-ce pas, dire qu'on a cet esprit et ne pas venir en aide aux gens qui sont dans les besoins. Donc, ce n'est pas possible. Être chrétien, c'est être auprès aussi de nécessiteux, être auprès des malades, être auprès des gens abandonnés, leur venir en aide. Donc, que le Seigneur soit béni en tout cas pour cette œuvre qui se fait au niveau de Bruxelles. Et nous avons été beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenus, beaucoup encouragés. Que le Seigneur, en tout cas, vous le rende au centuple. Et comme on vous l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sera... l'année 2016, en tout cas, les trois premiers mois, en tout cas, selon que le Seigneur nous conduira, on aura beaucoup à travailler à Bruxelles avec des programmes, des réunions de réveil, des conférences, de temps de formation biblique et pour encourager encore les frères et sœurs et que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Et n'en déplaise, bien sûr, aux gens qui ont leur vision, n'est-ce pas, pécuniaire, leur vision charnelle, qui veulent créer leur propre royaume. Et parce qu'ils estiment qu'ils doivent être reconnus comme des bishops, comme je ne sais pas quoi. En fait, que Dieu soit béni, les chrétiens aujourd'hui ont compris, beaucoup voient clair, n'est-ce pas? Ils ont réalisé, ils réalisent, ils ont compris qui sert Dieu et qui ne le sert pas.